Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Nous avons déjà pris un totem à ce niveau, donc celui-ci était dans les arbres. Le totem en question se trouve sous le pont. C'est pas si mal. Donc, à cet endroit. Voilà. Donc, voilà pour le deuxième totem. Pour ce qui est le deuxième totem, si je me souviens bien, je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline! Cherchez le grand portail!
Encore un sanctuaire. Qui peuvent-ils bien vénérer ? Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Oh. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. J'ai de quoi améliorer mon piolet. Ça devrait suffire. Voilà, j'ai de quoi améliorer mon piolet. Lara est en pleine crise de confiance, alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi? Ça devrait suffire.
Par où commencer? Bon. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon, à l'est du Japon. Cet endroit est... incroyable. J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Nous n'étions pas les premiers, et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il se passe des choses étranges sur cette île. Si je devais ne jamais partir d'ici, peut-être que quelqu'un finirait par trouver ceci. Ok, je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. Chérie, réfléchis. Réfléchis avant de remplir ces papiers. J'ai englouti tout l'argent qu'il me restait dans cette expédition. Mais ça va me rapporter 10 fois plus. Si tu divorces maintenant, tu n'auras pas un centime. Tu m'as connue alors que je n'étais personne. Tu sais ce que je suis capable d'accomplir. Je n'ai pas perdu le feu sacré. Je vais rebondir, crois-moi. Là, je tiens quelque chose. Lara, tu te souviens d'elle? Ma jeune protégée. Elle a des preuves pour étayer ses théories, mais elle n'a pas d'expérience. C'est en mon nom que je présenterai cette découverte aux caméras. Si tout se passe comme je pense, ce sera un show fantastique. Si tu décides de partir, je ne te retiendrai pas. Mais je t'en prie, attends un peu. Ce genre de publicité nuirait à mon image. Je t'en prie. Figure féminine sur le portail. Étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko, j'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble rationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable! C'est bien Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Ah. Non. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Non, ne leur résistez pas, Lara. Faites ce qu'ils demandent. Daimnik est à l'air. Иди. Пошла!